Maintenant, latte piccolo. Piccolo signifie petit en italien, mais alors qu'il est de petite taille, le piccolo est grand en saveur. Commencez par moudre des grains fraîchement torréfiés avant de les tasser pour créer une surface plane. Placez le porte-filtre fermement dans la tête d'infusion. Avant de commencer l'extraction, assurez-vous de placer votre tasse correctement. Aujourd'hui, nous partageons notre dose en deux tasses. Appuyez sur le bouton « 2 tasses » et laissez la machine opérer sa magie. L'espresso devrait couler du bec verseur après environ 8 à 10 secondes. Ce qu'on recherche, c'est un liquide s'écoulant comme du miel chaud. Cette machine est dotée en option d'un système automatique pour faire mousser le lait et peut donc faire tout le travail difficile pour vous, pour obtenir la bonne quantité de micromousse et la température idéale, les mains libres. Mais je vais vous montrer comment le faire manuellement. Versez le lait froid dans le pichet jusqu'au bas du bec verseur. Avant de commencer, purgez la buse à vapeur pour la nettoyer, puis pour éliminer toute condensation et tout résidu de lait. Placez la buse vapeur à environ 1,5 cm dans le lait, puis ouvrez la soupape à vapeur pour qu'elle injecte de l'air près de la surface du lait. Abaissez le pichet après quelques secondes afin d'introduire l'air à la surface du lait. Et rappelez-vous, si vous entendez un son grinçant, abaissez davantage le pichet. L'important, c'est d'abord de produire une texture, puis de faire monter la température. Quand je fais mousser le lait, je vise une température d'environ 60 à 65 degrés Celsius ou 140 à 150 degrés Fahrenheit. Un bon point de repère serait quand le pichet devient trop chaud au toucher. Pour les produits non laitiers, je vous recommande de ne pas dépasser 55 degrés Celsius ou 130 degrés Fahrenheit. Sinon, le lait peut commencer à se dissocier ou à cailler. Ce que nous recherchons à obtenir, c'est une texture douce et soyeuse. Rappelez-vous de remuer légèrement le pichet pour répartir l'air dans le liquide et mélanger les microbulles de manière égale. Une fois que cette étape est terminée, n'oubliez pas de purger la buse à vapeur pour éliminer tout résidu de lait à l'intérieur de la buse, puis essuyez-la avec un chiffon humide. Contrairement à un macchiato où on ajouterait juste quelques cuillères à thé de lait sur le dessus, ici je vais verser le lait moussé dans l'espresso avec une couche de micromousse sur le dessus. Et voilà notre latte piccolo, conçu parfaitement avec votre machine à espresso. Savourez!